est-ce qu'il y a un qui va tenir le micro? Ben oui. Fait que oui, tiens, tu vas faire l'entrevue? Ah ben oui! Ah oui! Oui, donc! Ah oui! Tellement. Ah oui, c'est en bas vraiment, hein? Eh hein? Hey, non, mais où t'as pris ça? Ce parfum-là? À la pharmacie. Hey, ça sent bon. Ah ben merci. C'est quoi, quoi? Parce que c'est vrai, c'est bon. Ça sent bon, hein? Versace. 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 Oh, alors ici, non, moi j'en ai un micro. Ah, okay, ouais. Ah ben, alors je savais pas, moi, t'avais un micro. Je veux que tu aies les deux. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Super bien. Oh, ouais. Puis, bel été? Bel été, cette Marie-La Moderne, tout l'été, oui? Adaptation théâtrale de La Grande Séduction. Vous avez eu du fun? Oui. Vraiment, vraiment beaucoup de fun. Aïe. On part en tournée aussi au printemps. Ah, c'est fun! Ça va être très, très cool. Ouais. C'est ta première expérience sur scène au théâtre? Non. J'en ai fait auparavant avec Fred Blanchette. OK. J'ai fait quelques-unes, okay. Mais ça fait pas si longtemps que je fais ça. Mais ça, c'est un gros morceau, là. Ouais. Gros morceau, ben gang. Ouais. Ouais. 10 comédiens, quand même. Aïe, hein? Grosse distribution, Michel, hein? Michel Rivard, Normand Brathwaite, Isabelle Miquelon, Chantal Barry, Igor Obadis, Larry Tiempon. Tout du monde plate. Non, tout le monde est très fun. Ben, je sais. je blague. Puis toi, comment ça va? Ben, moi, ça va très bien. Oui? Ça va très bien. Très belle année, plein de beaux projets. Oh, wow. Framboise, comme? Le temps des framboises, avant le crash. Pour toi, Flora. Fragment qui va sortir aussi l'hiver prochain, que j'ai très hâte de voir aussi. Donc, plein de beaux projets, deux longs métrages, plein de beaux projets. Toi, t'es toujours occupé. Je fais mon possible. Toi, là, c'est comme TDDDD. On dirait peut-être une machine de guerre. Ouais, je pense que c'est mon côté TDAH aussi qui fait qu'il faut tout le temps que je sois en train de faire quelque chose. Ouais. Faut tout le temps que tu bouges? Faut tout le temps que je. Ah, ben, ouais, quand même. T'as pas des temps d'arrêt, pas? Oui. Puis je suis très capable de rien faire aussi. Aussi. Oui, je suis toujours en train de créer quelque chose. C'est toujours en train de. J'essaie, tout à fait. Ben là aussi, un nouveau projet. Je réalise un nouveau documentaire pour Radio-Canada qui va être pour 2024. Des projets en fiction aussi, en écriture. Ça tourne autour du sujet des animaux, mais je peux pas trop en dire pour l'instant. Mais c'est par rapport aux animaux et par rapport à l'humain aussi. Donc, ça devrait être bien intéressant. J'adore les documentaires. Yeah. Ah oui, parce qu'on apprend plein de choses dans les documentaires. Moi, j'adore ça. Puis là, tu dis, ah, OK. Tu fermes la télé, tu dis, j'ai appris quelque chose. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Bien, c'est toujours un univers nouveau, tu sais. Ouais. Un voyage, un documentaire. Tout à fait. Merveilleux. Puis c'est aussi, on raconte aussi des histoires, tu sais, dans le sens qu'il y a toujours, pour moi, que ce soit comme comédien, que ce soit comme réalisateur, que ce soit comme musicien aussi, pour moi, l'important, c'est de raconter des histoires, puis de, c'est comme une autre, plein de moyens différents artistiques pour raconter des trucs. Finalement, ce qu'on fait dans la vie, nous autres, on communique. Pas mal, ouais. Ben oui. Hein, on apprend à communiquer avec l'autre tout le temps. On apprend à ce que le message se rende. On veut que l'autre soit interpellé. Donc, on communique. Depuis qu'on est au monde, nous autres, on fait ça. On dit, moi, je veux communiquer! Exact. Ça claque ses fesses. Ça permet aux gens de communiquer aussi. Ça permet aux gens de réfléchir par rapport à ça, de ce qu'ils viennent voir. Et puis, OK, et puis on en parle, de créer la discussion surtout. Créer la discussion, puis aussi amener, se mettre le cœur en avant. Oui. Tu sais, on est toujours comme... Ça prend de l'émotion pour trafiquer toutes ces zones-là. Là. Exactement. Il y a des zones grises là, dans les œuvres. Puis c'est ça qui nous touche, c'est le côté émotionnel des histoires. Donc, et des fois, on peut se reconnaître dedans ou reconnaître des gens qu'on connaît. Toujours surpris, moi, de rencontrer des gens, des fois, comme toi, par contre, t'es un géant, tu sais. Mais je sais... À qui le dis-tu? Tu vois-tu, je me suis pas levé. Oui. J'apprécie. J'ai l'air grande même, là, mais je suis assis sur un banc. Mais... Moi, ça m'impressionne tout le temps, tu sais. On voit des gens, ben, on est impressionné des fois, les rôles, tout ça. Puis finalement, tu sais, tu leur parles, c'est doux, tu sais, il y a plein d'amour, tu sais. C'est comme... C'est vrai, les artistes, c'est comme ça, hein. Tu peux jouer des rôles de Néron, puis de César, mais finalement, en dessous, il y a un petit minou, tu sais. Oui. C'est incroyable, hein, cette belle vulnérabilité-là. C'est le travail de l'acteur aussi. Exactement. Ça permet plein de trucs qu'on n'oserait peut-être pas dans la vie. Exact. Il y en a qui sont super timides, mais rendus sur scène, ben, ce sont des bêtes de scène. Le plaisir du jeu. Exactement. Hein? La liberté de jouer. Ça nous permet tout sur scène. La complicité, hein? Exactement. Quand on rentre sur scène, là, les yeux, ting, 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 ça se passe important. Là. Ouais. Écoute, les gars, merci beaucoup d'être là. Ben, merci. Merci pour la cause, surtout. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, bonne soirée et bon appétit. OK, merci. Oui. Oui, moi aussi. Bye. Ciao.